La Chine et l'Union européenne se rencontrent dans le cadre d'un nouveau sommet le 9 avril. Quelles sont les intentions précises de Pékin en Europe? C'est ce que l'on va voir dans ce nouvel épisode des Échos du Monde. Et l'on part dès à présent en direction de Pékin, retrouver notre correspondant sur place. Bonjour Frédéric. Bonjour Olivier. Ce nouveau sommet entre l'Union européenne et la Chine survient quelques semaines après la visite du président chinois Xi Jinping en Italie puis en France. Quels sont cette fois-ci les enjeux, les intentions de la Chine en Europe ? Oui, alors cette fois c'est le Premier ministre Li Keqiang qui fait le déplacement. Il faut rappeler que ce sommet entre l'Union européenne et la Chine a lieu tous les ans en alternance à Pékin ou à Bruxelles. L'année dernière, Pékin avait déroulé le tapis rouge aux émissaires européens. Il y avait clairement une volonté de rapprochement des autorités chinoises déjà en conflit commercial avec les États-Unis. Cette année, le contexte est particulier. Li Keqiang arrive à Bruxelles au moment où les Européens durcissent le ton à l'égard de la Chine. On l'a vu lors de la visite de Xi Jinping à Paris. Emmanuel Macron avait invité la chancelière allemande Angela Merkel et le président de la Commission Jean-Claude Juncker. Et avec ce mini-sommet avant l'heure, l'Europe voulait s'afficher unie. Une unité de façade, certes, mais une unité quand même face à la Chine qui est accusée de jouer les divisions des pays européens avec ses routes de la soie. Et justement, la Chine accusée de jouer la division en Europe avec ce projet de nouvelle route de la soie, puisque il y a quelques semaines, un accord a été signé entre l'Italie et la Chine sur justement ce vaste projet d'investissement et d'infrastructure. Quelles sont les ambitions de la Chine en Europe sur ce projet de nouvelle route de la soie, Frédéric ? Oui, alors ce projet de nouvelle route de la soie, c'est un vaste projet d'infrastructure qui a été initié par Xi Jinping lui-même en 2013. Alors officiellement, la Chine dit qu'elle n'a pas l'intention de diviser l'Europe et qu'elle salue les bienfaits d'une Europe unie. Li Keqiang l'a encore dit ce matin dans la presse allemande. Mais derrière ce beau discours, on voit bien que Pékin continue d'enfoncer des coins dès que possible en Europe en négociant directement avec les pays. Alors les pays européens sont profondément divisés au sujet des routes de la soie. Et le fait que l'Italie signe un accord lors de la visite de Xi Jinping est indéniablement une grande victoire pour la Chine. Mais en fait, il va quand même falloir regarder dans le détail ce qui va se passer par la suite, car avant l'Italie, Pékin s'est rapproché de nombreux pays d'Europe centrale et orientale. C'est ce qu'on appelle le club 16+1. Et bien aujourd'hui, on voit que certains de ces pays sont bien moins enthousiastes que par le passé, et notamment parce que beaucoup de promesses d'investissement chinois ne se sont pas concrétisées. Et l'Europe a décidé de ne pas rester les bras croisés puisque en février, le Parlement européen a adopté un texte qui vise à mieux surveiller les investissements étrangers en Europe dans les secteurs sensibles. Sont dans le viseur notamment les investissements chinois. Quelle est la réaction de Pékin ? Alors l'Europe a effectivement pris plusieurs initiatives ces dernières semaines. Elle muscle sa politique de contrôle des investissements chinois, comme vous l'avez dit. Elle parle aussi de la Chine comme d'un rival systémique. Alors face à cela, on aurait pu s'attendre à ce que Pékin monte sur ses grands chevaux, s'emporte dans de tonitruantes déclarations comme cela a pu arriver dans le passé. Et en fait, pas du tout. Pékin fait plutôt profil bas. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que le gouvernement chinois ne veut pas se brouiller avec Bruxelles alors qu'il doit déjà gérer des tensions avec Washington. Sans compter que Pékin doit aussi gérer une situation intérieure plus difficile avec le ralentissement de la croissance économique. Alors après, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir si ce changement de ton présage d'un changement de fond. Et a priori non, on voit que Pékin bloque sur de nombreux points comme la réciprocité d'accès au marché, qui est une demande forte de l'Europe, ou encore les politiques de subvention. Et c'est pour cela que le sommet entre l'Europe et la Chine s'annonce particulièrement tendu. Merci Frédéric pour vos explications. Je rappelle, vous êtes le correspondant de notre journal en Chine. Quant à vous, merci de nous avoir regardés et suivez toute l'actualité sur notre site internet leséchos.fr.